Hello, Yoren and Sophie. Sorry, you have some minutes late waiting for people. But we will start in really 2 minutes. Okay. Okay, Yoren, do you? Are you? I do. Okay, ciao. It's a very strange situation. Normally in Verona and Tocati, you have the room full of people and... I know. Now we are in a completely... But it's also nice to arrive to communicate, however, and with the technologies which help us. That's it. We're together in some way anyway. And Yoren, thank you so much also for the presentation. If possible for you, we decided to really make, after the festival, to make an effort to really present all the abstract and presentation on the website with some communication to the communities. Then if you want to share with us your presentation, can be very interesting for everybody. I shared it yesterday. No, not today, because today no. But I know, Valentina, but I sent it to you yesterday via WeTransfer. Yes, okay. Then you have it already. If you download it, you have it. Ah, okay, there, fantastic. Thank there you. There just might be some spelling mistakes still in the notes for the presenters. I will have a check. Okay, thank you so much. So if he agrees, for me it's fine, it can be shared. Yeah, it's fine. Okay, thank you so much. Then I can download on WeTransfer. Okay, thank you, and keep in touch. I was waiting a moment to have some more person, but I think that it is better to start now, to have the timeline respected. Then I think that Sophie Muilert, Policy Advisor for Intangible Cultural Heritage, Department of Culture, Youth and Media of the Flemish Community, and Yoren Neyrink, Coordinator of the NGO Workshop Intangible Heritage, also member of the Global Network Facilitator, which present for Belgium and Flanders, a very important partner, a pioneer also partner of AGA and the Tocati project on the topic of educational perspective and ludodiversity, sharing experience on traditional sports and games from Flanders. Okay, Sophie and Yoren, you have the floor. Okay, thank you, Valentina. So as you already introduced me, from the Ministry of Culture, the Department of Culture, I will just give some introductory words, because the focus of our presentation will of course be on education, and that is what Yoren will be telling you about. Well, just to say that I'm very glad to be here with you today. Last year I had the opportunity to be with you in Verona, but unfortunately this year it is in a virtual way, but still happy to be able to join you. Just fine to have these two ladies with us today, very important. Okay, so as a way of introducing Belgium presence here today, just to say that we already ratified the convention in 2006, so quite a long time ago now. And since then, we have developed a policy on intangible cultural heritage. And in an international context, I always say Flanders and not Belgium. Because Flanders has a different policy, because culture is a competence of the regions in Belgium and not of the country. So that's why we have different ministers for culture in the regions. And that's why I talk about the Flemish policy on intangible cultural heritage. So, like many other countries involved in the UNESCO Convention, we have instruments to develop our policy. One of our main instruments is our inventory on ICH.
But we also strongly believe in international cooperation and exchanging good practices on the safeguarding. Do I go on? So we also exchange on intangible cultural heritage in international cooperation from the administration, from the ministry. We take part in UNESCO meetings, but we also send experts. We facilitate the cooperation of experts in the international work. And this is exactly what we are doing here today also. So for Flanders, the Tocatino nomination is very important. We already have the Ludo diversity on the register of good safeguarding practices. And this Tocatino nomination gives the opportunity to make this practice even stronger in the coming years together with you. So I think now is the time to give the floor to Jorein, who will go into more detail on the subject of today. Thank you, Sophie. Thank you, Sophie. Hello to everyone. Indeed, I will be talking a little bit more on the topic of today, of course, and elaborating on the Sportimonium and the Ludo Diversity Program as developed in Flanders and the link to education. So in Flanders, there's a quite vivid traditional games and sports scene with some practiced throughout the entire region and others on a location-specific basis. The Tocatie program in Flanders involves multiple actors in safeguarding the traditional games and sports through this program of cultivating the diversity, safeguarding traditional games in Flanders. The program of Ludo Diversity, which was recognized as a good practice on the UNESCO 2003 Conventions Register, articulates since about five decades already safeguarding measures, including revitalization, documentation, research, awareness raising, and which have reinforced traditional sports and games in a contemporary urbanized society. The measures undertaken include support to specialized and umbrella organizations, to publications, festivals, demonstrations, exchanges of expertise, promotion activities, loan services, providing people with traditional games equipment, and a traditional games park, which I will tell about more today. This program has involved bearers, researchers, NGOs, and public institutions. The strength of the program lies in the integrated approach of mobilizing wide community involvement, the innovative idea of loan services, and the transformation of the museum to an interactive play and leisure space. And there is, of course, the link to education, which is the topic today. The program, through time, has proven to be effective in strengthening the viability of traditional games, demonstrating tangible results, keeping practices alive, improving their transmission, and increasing community involvement. Academic researchers have evaluated the effectiveness of its methodology, implementation, and results. This program is not coordinated by my NGO, for example, but by Sportimonium, who are excused today due to organizational reasons in the museum. Together with local communities and associations, Sportimonium is working around this heritage of traditional games and sports, among them forms of, for example, shooting games, ball games, throwing games, and so on. Many of these games are nowadays organized in national federations in Flanders, with a lot of them taking part under a sports NGO with the name Vlaamse Traditionele Sporten, so the Flemish Traditional Sports, which is a kind of umbrella organization for 22 traditional games and sports in Flanders. Obviously, this NGO is a crucial partner in the cooperation around this Ludo Diversity program for the heritage of traditional games and sports. A key safeguarding strategy in this Ludo Diversity program is promoting awareness about the living heritage of traditional games and sports, both in society at large and within the player communities. Therefore, the program raises awareness among players around the cultural significance of their intangible heritage, and it sets up initiatives with view to work on sensitive
sensitization and education to outreach towards broader civil society and the public. Special attention is also devoted to attracting new people, especially young people and women. In this contribution, we will have a closer look into two of the methods developed: loan services of traditional games and service and sports, and the theme park of traditional games on the Sportimonia Museum site. There has been a long trajectory of working around awareness raising in the ludodiversity program. The basis of the program was systematic documentation and research, long back in time, since 1973, and to be continued in collaboration with the Catholic University of Leuven and the University of Ghent, both in Flanders, in which young people, already students at the sports faculties, have always been crucially involved, going back to their own or other regions to go there and document the games and sports, traditional games and sports heritage that were present in that territory. All kinds of information on traditional games and sports worldwide have been gathered through time and can be consulted in a specialized documentation center nowadays in the Sportimonium Museum. Currently, we are also following up with the UNESCO chair on critical heritage studies and safeguarding of ICH at the Free University of Brussels, from which is coordinated by Mark Jacobs, which many of you will know, if we can do a follow-up research in the near future. To sensitize the broader public, results of research and other information realized through the collaboration with academic research and students are actively disseminated via publications such as journals, books, footage, leaflets, and so on. Hundreds of articles have been published in international journals and books this way, not only on the history, but also on the practice of traditional games themselves, and also on how to deal with revitalizing and safeguarding these games. The same goes for organizing seminars and active participation in international congresses like today, focusing on scientific as well as on policy issues on traditional games and safeguarding challenges. In the early stages of the project, it was important to have a large traveling exhibition also, Traditional Games in Flanders, which has been shown in 15 cities between the 1980s and the 1990s, raising awareness at large. A smaller traveling exhibition is still available for schools, cultural and sports centers. From this whole background, which took many decades, also sprouted the Sportimonium initiative as such. Sportimonium itself includes a research center, a sports museum and a theme park. The unexpected richness and wide variety of traditional games that was found in this research since 1973 led in 1980 to the foundation of an association, the Center of Sport Culture, and since 2009, so let's say for a decade, was incorporated in what is nowadays known as the Sportimonium. The aim is to promote this endangered sporting heritage and to get people acquainted again with traditional games. The heritage includes this wide range of shooting games like longbow, crossbow, culverin, ball games, trabol, bugelen, kegelen, and so on. And they are extensively documented in a permanent exhibition of the museum Sportimonium. Hundreds of artifacts and thousands of audiovisual, including oral history documentaries, have been gathered there. The tangible part of this heritage is displayed in the permanent exhibition in the museum, where one section is entirely dedicated to traditional games. Target groups of the museum here are very much school classes for children between 10 and 14 years, and physical education and sports students, bachelor and master degree students, being future teachers and sport administrators. As such, a whole range of methods has been tested and implemented over more than 25 years. An exemplary case in the perspective of education has certainly been also the once back in time innovative tool of the traditional games park in the museum. It has been set up since 2006, so let's say about 15 years now.
In this traditional games park, which is integrated on the museum site, visitors can get acquainted with the skills of a variety of traditional games. A similar project has also been carried out on a smaller scale in the open air museum Bokrijk in Flanders. You can find on the museum site signet boards in the park and the museum per traditional game or sport. On this board, you can find out the origin of the game or sport, the region where it's being played, and a hands-on explanation with the rules of the game. So you can start for yourself to play it there. Every visitor can work their muscles in this museum section. In the modern designed Volksport Garden or theme park, you can playfully become acquainted with braces, skittles, treble, and other precursors of contemporary sports. In bad weather, you can challenge your friends or family to game of top table, hammer game, and other less known folk sports. Groups and individuals can play 5 ball games in the folk sports garden also. And there is an archery shooting range, a strijfbok, an ostrich, a field for target shooting and horseshoe, and a mast for mast climbing. The model sports garden is very much intended towards young people especially. They have worked with modern looking and low maintenance materials such as stainless steel, hardwood and colorful tartan. By the way, it's been designed and being used by the museum, education staff. The garden has been a tool as well towards initiating, for example, girls and women, but also to intercultural learning moments being set up in the museum context. Indoor, as a part of the sports museum, you can also play the traditional pub games. Innovative was also the network of loan services since the 1980s, which have been created all over the country in order to provide people with the equipment for practicing traditional games at festivals, family parties, school festivities, and youth movement activities. This game equipment provided by the loan service are fabricated and repaired in the Sportimonium's own workshop, and they are made available at symbolic prices to communities, groups, and families. This way of experiencing the heritage in a context of non-commercial sociability and with rich documentation to support it is recognized very much as a good practice. The loan service for traditional games has been a success from the very beginning in the 1980s. There are very much loans every year, about 1,000 loans, of an average of 7 games, and per loan, almost 50 participants, which makes it like about 15,000 participants a year playing the games through these loan systems. Even if there is a slight decline in the last years in the loans, this idea of lending traditional games equipment has been adopted by municipal authorities all around in the region of Flanders, and also by some Sport for All Federation, which makes that the loan system is now happening everywhere in Flanders. And a total number of 120 lending services spread all over the territory of Flanders is operating nowadays, from which people can loan or lend, and from which they can reach a wide population. Also, the traditional sports NGOs, PLAS, which I have been talking about, has increased its membership from 500 to 12,500 with 23 disciplines today. The Sportimonium has been nominated for the Flemish State Award for Cultural Heritage in 2004 due to this program. It has also received the Museum Prize, and has received official recognition on several levels. It's being supported through the Flemish government, for which Sophie is a representative, and also the VLAS is in the sports section of the Flemish government being supported for their work. Peer institutions and other actors like my NGO and other associations and the heritage sector and the field of popular culture, ethnology and local history recognize Sportimonium very much as a crucial partner.
Next to the on-site and the loan services, there are also in the section of animation, in the section of education and awareness raising, other actions like animation actions, touristic game routes, demonstration festivals, and initiations of traditional games, which have been organized for the larger public in many places. Also, there are 14 traditional game routes, which guide interested people to a number of places where traditional games are being practiced in situ. I hope that by this introduction, I have been able to give you a good overview of how the design of awareness raising, documentation, and education are all being linked in the program of Ludodiversity in Flanders. Thank you. Thank you so much, Joren. This example of Sportimonium and of the park, of the loan system, this non-commercial dimension is really crucial for the Tokati program as a pioneer experience. Do you know this year the Verona municipality is supporting Tokati for the building of a new community center and documentation center of Casa Colombare, and also the thematic park on traditional games in Italy with a national dimension. Then I think that in the next month, if possible, with the COVID situation, we will organize a specific meeting with Flanders, as inviting you, workshop Intangible Heritage and also Sportimonium, to share more deeply your experience in order to really learn from the Flanders experience. Thank you so much, Joren and Sophie. And we really hope to see you soon again in Verona, as in the past years, and to improve our imaginary of ICH. This is something important. We are like a network of people really deeply involved in the implementation of the convention at different level, and with this strong choice to really work in a participatory approach to the construction of heritage. Then thank you so much for this very clear and also complete presentation of the Flanders situation. It was perhaps the first time that I really had a so complete landscape of what is happening in the landscape of traditional games as intangible heritage in Flanders, and on the Sportimonium also life. Thank you so much. And now we have another experience coming from Cyprus. Cyprus is a partner of our nomination of Tokati. And Cyprus was really inspired by Tokati and starting a number of projects after the meeting with the Tokati experience. Then it's also interesting to highlight that we are learning from the Flanders pioneer experience, which is an ancient experience in some way. And we have the more young experience and the Cyprus experience concerning traditional Easter games, which are inscribed in the National Inventory of Cyprus. And Dimitra and Michaela from the CTIMA Association, they were with us also in these last years in Tokati. Last year with also the LIPA from Cyprus, the I don't remember the Zigri, no, Ligrin. Do you know the name of Cianco LIPA? You have a lot of different, and it was so interesting to work with them for the nomination also film, video. I don't know if Antigone can join because she wrote me that she had a problem, but we are very happy to hear Dimitra and Michaela from the CTIMA Association in Cyprus.
Welcome. Hello, Valentina. Buongiorno a tutti. Buongiorno, ciao. Dimmi. We are very sorry, but our camera has a problem, so you have to bear with us only with our voices. So sorry. Okay, Dimitra, then we cannot see you. Yes, I'm really sorry. We've tried several times, but maybe the network is not strong enough. But we have a very interesting abstract, and we are very happy to hear you. In every case, this is an oral Toccati meeting. Then we are also happy to hear your voice. Thank you. So thank much. You, Dimitra, to join. We are really happy to be a part of Toccati for the third time. Although, Valentina, we would really prefer to meet you all in person at the lovely Verona once again. So, this presentation is entitled Introducing the Traditional Easter Games in the Educational System of Cyprus, and aims to present interesting, effective, and realistic suggestions in order to introduce the traditional Easter games both in theory and in practice in the public educational institutions of Cyprus, as well as in private groups, associations, which are engaged in the education and the upbringing of the new generation in our country. Our association, CTIMA, is intensively engaged in the static preservation and transmission of the traditional Easter games the last 5 years. One of the main goals which CTIMA has set from the very beginning of our engagement in the traditional Easter games was the active involvement of the new generation in the systematic teaching, theoretical and practical, of the traditional Easter games. Hence, our main proposal deals with the introduction of the traditional Easter games in the educational system of Cyprus. First of all, we need to point out that the traditional games were played on Easter Sunday, Monday and Tuesday during the biggest celebration of Orthodoxy. That is why all the reforms and actions that we propose below concern the period of the 50 days before Easter. We move now to part one, formal education, and the integration of the traditional Easter games in the teaching material of the course of physical education in primary and secondary education. Initially, we need to emphasize the importance of cooperation between our association, CTIMA, and the Ministry of Education, Culture, Sports and Youth in Cyprus. One basic condition for the implementation of our goals is the submission of a proposal to the Ministry of Education and Culture so that the traditional Easter games are included in the programming of the teaching material of physical education in primary and secondary education, aiming to upgrade the lesson. We are hoping that this proposal will be approved, and it is vital that an auxiliary teaching material is drafted and published by a suitably educated and trained team so that physical education teachers are able to teach the subject on a theoretical and practical level. In this context, it is necessary to organize relevant educational seminars in which the teachers of physical education will participate in order to gain the eligible training on the subject. Now, two, we are hoping that we can organize a day of traditional Easter games in the public schools of Cyprus. This is the crowning achievement of our association's effort, and it will be the organization of a day of traditional Easter games during the 50 days before Easter. One of our main goals is the improvement of the quality of physical education course in the schools of Cyprus. So more specifically, each school will be responsible for the selection of the students, players, who will participate in the day based on their abilities and participation on the course of physical education
and mainly in the teaching of the relevant chapter. Every year, one school will be selected in rotation in each province, which be the host of the day, with the aim of passing as many schools as possible from the place of the host. Of course, the school host ought to have large outdoor fields or yards that could accommodate the event. During the day, the students could be divided into three categories: primary students, mainly fifth and sixth grade, who can meet the requirements of the games and comply with rules; elementary students, and then high school students. In each traditional game, one team school will emerge as the winner, while each school will be able to select and be represented by a certain number of students as spectators and supporters of their school players. Consequently, students will have the opportunity to apply the knowledge that they have gained from physical education courses in order to play sports and have fun while reviving the cultural tradition of their ancestors and homeland. We now move to three, the introduction of the traditional games in primary schools. Traditional Easter games could be introduced easier in the daily timetable of primary schools. Since final exams are not required in primary education, the curriculum is more flexible and children's behavior is more malleable. As a result of this, pupils will gain multiple benefits if they engage in the games during school time. Traditional Easter games will give the opportunity to children to come closer to their tradition and cultural roots, develop their social skills while they exercise their bodies and shape their souls. Initially, the traditional Easter games could be transmitted in the lesson of physical education in the morning schools of primary and secondary education. We also suggest that the games can be easily added in the timetable of all-day schools. Some primary schools in Cyprus operate as all-day schools with four traditional teaching periods, hence they support children after school in order to carry out assigned homework to reinforce learning and deal with selected course of interest. One of these courses is physical education. Therefore, two teaching periods could be dedicated to the traditional Easter games. During the first teaching period of 40 minutes, children could learn about the history, the rules of the games, as well as the tools that were used in order to play. During the second teaching period, children could practice in playing the game that they have been taught before. Now, Micaela will continue with our fourth suggestion. Hello, for implementation of the traditional Easter games in various courses of school curricula. FTIMA plans that in the near future will cooperate with the Ministry of Education of Cyprus in order to engage different courses of secondary education, such as art and modern Greek, in the teaching of the traditional Easter games. Particularly, art lesson provides many opportunities for pupils to create simulations of tools which are used by the players of the traditional Easter games. For example, students could craft the lingrin or they could paint scenes from cicada, chinin or sakulodromis. In addition to this, modern Greek is another course that could be easily engaged in the traditional Easter games because the relevant first grade of elementary school, second grade of high school, includes several teaching chapters where students are taught about tradition and cultural habits. At this point, we suggest the addition of prose or poetical texts relevant to the traditional games, which they provide description or references about the games, while demonstrating their great importance social and
ecological value of our for our ancestors. 5. Teaching of traditional history games at the public sports schools of Cyprus. A long-term goal of our association is the integration of a course recasting the traditional history games at the public sports schools of Cyprus. Viene data. This course could deal with the traditional games both of Cyprus and European countries. This objective requires both the agreement of the Ministry of Education and the composition of a specialized group for the writing, editing, and publication of a curriculum relevant to this subject. Part 2, non-formal education. 1, composition of teams so as to participate in PAFOS Festival of Traditional History Games. As far as the private education is concerned, CHTIMA intends to establish a strong network of collaborators like sport teams and dancing schools which train young people. The trainers of these groups will attend seminars that CHTIMA will organize. After the completion of these workshops, trainers will be able to transmit their knowledge about traditional history games to their students. The main goal of these efforts is a composition of teams who could actively participate in PAFOS Festival of Traditional History Games, which is held every year by CHTIMA. Our principal concern is to motivate several cultural folklore associations of PAFOS district in order to embrace traditional history games and make them a part of their annual agenda, diffuse their knowledge to young people, and strengthen the efforts of safeguarding the games throughout the years. Conclusion. Value of the preservation of traditional history games. Undoubtedly, the traditional history games constitute an important element of the intangible heritage of our country as they reveal habits and customs of our ancestors. In addition, they provide valuable insights of the ways that our forefathers used to celebrate Easter. Furthermore, games promote values while young people acquire valuable knowledge and skills. Among other excellent behavioral skills, they gain discipline, respect to the rules of the games, appreciation between the co-players and their opponents, collaborative and team spirit. Within these frames, Folklore Association CHTIMA is convinced that the introduction of Eastern traditional games through public and private education is of major importance. This could be achieved with the improvement and renewal of specific subjects of the school curriculum, given emphasis on the physical education. Thank you for the attention, for your attention. Thank you so much, thank you so much, Dimitra and Michaela, for this living presentation and your commitment to develop this integrated approach to the safeguarding of traditional games and sport. It's really interesting to see how different aspects are taken into account, non-formal education activities, formal education activities into the school, but also the PAFO festival of Easter games. And I remember that before the COVID situation, we were all invited in this festival with Tocati team and partnership. Then thank you so much. We are really, really learning from your experience, your young experience, and this attention to young people, which is so important and central for the implementation of the convention and in general for the transmission of living heritage. Then thank you so much for this overview on the Cyprus situation. And I remember also that Dimitra and Michaela and the CHTIMA Association presented also the work of participatory research for the inventory, national inventory, last year in Tocati. Then, every year we have different topic and we really share reflection, and I hope to arrive to publish all this material in the next future with the Tocati team. And thank you so much. It was very rich and interesting. Thank you. We are hoping to see you next year.
See you soon. See you next year. Or here in Cyprus, maybe. Yes, we hope to come in Cyprus. Then now we have the Croatian experience. Croatia is an old friend for the Tokati team and AGA, with the Milivoj Pacenti and the Plioška Association. Ruth Karek from the Ministry of Culture strongly supporting the nomination process, and Milivoj always in touch and in connection at the community level with the network of AGA. Then I'm very happy to introduce you, Ruth Karek. Hello, I hope you are online with you. Yes, I hope. Can you hear me? And I also highlight that Ruth and Tamara were really volunteer to come despite the COVID problem since the last minute. Then we are also very happy to remember your commitment to be with us, to join our community, Ruth. Yes. I give you the floor. Thank you. You just, if there is any technical problem or you cannot hear me, please tell me. Buongiorno, cari amici. Buongiorno Verona. Ruth. Ti vediamo molto bene, ti sentiamo benissimo. Grazie Ruth. Grazie. And for the sake of cultural diversity, I will continue now on English. It is with particular pleasure that I would like to greet you all on the behalf of the Ministry of Culture and Media and the Croatian Commission for UNESCO, and on my humble self as well. So it was just like yesterday when we have witnessed the rich and joyful atmosphere of Tokati, and we have been on Verona streets, seeing all the excellent projects that you have prepared for so many years. And here we are here again in the new circumstances that I'm sure will even more underline all the values that we have been talking and discussing, and that are actually the key for this festival and the project. So everything is now also reflected in our multinational nomination, and I am sure that this also will be recognized globally when evaluated by UNESCO. I would also like to thank all the previous participants that have really shared a very rich experience and expertise in living heritage and education. Tamara gave us a global perspective, all the other ones, Jorin, and all the ones that have actually shared their experience really enriched us and gave our parts, they shared the part of what they are doing and achieving in their countries. Milivoj will also say all about his really great and valuable experience both in local community and education and transmission of Pločkane. Before giving him the floor, I will just briefly maybe introduce some national initiatives that we already had. We have always tried to, in our cultural strategy, to link both the world heritage and intangible heritage, also by doing this in the nominations. And when we have done so, it was a really good experience for us. We also had this good experience. Tamara was participating last year on European Youth Forum for Young Professionals, actually in Zadar, organized by UNESCO Sector 72 and 203. Where we really had this experience to share with youth, young professionals, excellent ones, about these two conventions, you know, in Zadar, that is also part of multinational nomination Venetian Fortresses, where we discussed this part, and also other multinational nomination that is actually intangible heritage, dry stone walling, that we are also participating. It was a great experience. Where youth shared also their experience, views, and expertise on this.
So I'm looking forward there in the future to more of those forums, especially in intangible heritage, where all you experts will also participate. I'm sure that there will be a space in the future for this as well. We had a very good experience on this, always trying to have intangible and tangible together. In 2011, we had a big forum as well, and 96 and so on. Second point that I think is very important, and it, from our view, point of view, something that we would like to underline also in UNESCO, there is a kit, World Heritage in Young Hands kit, introduced many, many years ago, a very great material, translated in more than 20 languages. We have also translated it in Croatian in 2011, together with the big support of the Ministry of Education and Science and Agency for Education. We have been doing seminars for teachers, for schools, kindergartens, since then, in all Croatian counties, and it was a really good response. And what is actually important here in this, what I'm saying is that we really, for the first time, introduced intangible heritage in this World Heritage Kit in Young Hands. So we had the both aspects. We have showed Croatian intangible heritage, but all together we gave introduction on intangible heritage. It was in 2011. This time we are preparing a new edition. Maybe some of you will participate, where we will try to put even more on intangible heritage and the new challenges actually that we are facing now, like emergency preparedness, risk management in intangible heritage and heritage in general, that are very important and crucial for us now. So here I'm calling our colleagues from UNESCO maybe to support something like this in the future on intangible heritage. We have heard there are valuable initiatives and materials that are going to be printed soon, but maybe also UNESCO here to support something like this manual that is old one on intangible heritage, and some maybe even more holistic approach to introduce underwater and all those things that are very important, both for, when you see in this more global way, for all those traditional games, water, you know, ecology, everything is actually already there, but maybe, with some expert teams and UNESCO, we have been also discussing this on our forum. So there are some just highlights that I wanted to give you from our experience before. And I also hope maybe next time we will have more deep discussion on disaster risk and emergency preparedness in cultural heritage. This year, we actually, before the lockdown, we had a very big European conference in Dubrovnik in February on risk preparedness, emergency risk preparedness in cultural heritage in Dubrovnik. But definitely there is something that is going to be discussed in the future. I really look forward to give the floor now to my colleague Milivoj and to send you my best regards, to say I'm sorry I'm not there with you on the streets of Verona, but I'm sure that we will have opportunity in the near future. And stay safe, stay strong, and I look forward to seeing you all soon. Thank you. Thank you, Ruth. Thank you so much. Toccati participate from Italy to the platform, to the survey of UNESCO Living Heritage during the pandemic. You can look at the website, and it is really a very strong experience we are living, and we really hope also to share more and more in the future and to really reinforce our network and solidarity also network. So now, Milivoj, please. Milivoj is an historical person for us in the nomination, but also in the life of the association. As I said before, the Milivoj has a very strong experience with school, and Croatia is the only country which adopted the Protocol of Verona for the nomination and also involving school. It is the only country in the partnership involving school in the
process of nomination, then it was very important for us, and we know that experience in Istria and in Croatia school are really very interesting for us. Then I give the floor to our friend Milivoj. Thank you, Valentina, for the nice introduction. I don't know if it is in all way, but I prefer to speak in Italian language because it's closer to me. Ok, thank you Milivoj, fantastico, siamo molto contenti se passiamo grazie. All'italiano. Grazie, in caso se hai bisogno posso inviarti anche la traduzione della mia presentazione in inglese. Sì, sì, volentieri, raccogliamo tutti questi materiali perché proprio l'idea è di avere sul sito uno spazio dedicato a questa giornata che poi servirà per il futuro del progetto, quindi assolutamente sì, grazie Milivoj. Va bene, ecco io vorrei parlare un po' delle esperienze della nostra società che è la IPS, proprio legate con i progetti dei laboratori didattici che abbiamo realizzato nelle scuole. Fin dall'inizio il gruppo di appassionati che ha avviato il processo di rivitalizzazione del gioco delle piocche ha cercato opportunità e modi per presentare il gioco alle giovani generazioni. Così circa 10 anni fa, subito dopo la sua istituzione formale, l'IPS ha iniziato a tenere laboratori e presentazioni del gioco delle piocche nelle scuole primarie. È stata un'iniziativa quasi istintiva. I laboratori venivano inizialmente concordati con i singoli insegnanti e le scuole. I membri dell'IPS presentavano il gioco attraverso una breve storia. Poi mostravano ai partecipanti come realizzare le tradizionali piocche di pietra, le tecniche e le regole del gioco e organizzavano brevi gare tra i bambini. Una svolta significativa si è verificata nel 2015 durante una visita al Festival Toccati. Dopo che abbiamo raggiunto la piena adesione dell'AEGEST, in questo modo abbiamo preso conoscenza e accettato i principi della Dichiarazione di Verona, che ci ha dato nuovo impulso e chiarito le idee. Dal 2016 l'IPS ha stabilito una cooperazione con una dozzina di scuole nella nostra regione, dove conduciamo una dozzina di laboratori ogni anno. I laboratori sono frequentati da circa 1.000 fino a 1.200 partecipanti all'anno e il numero delle scuole interessate aumenta di anno in anno e secondo i nostri dati, fino al 2019 vi hanno partecipato da 6 a 7.000 alunni di diverse età. Si sono svolti laboratori didattici per i bambini delle scuole materne, primarie e secondarie e anche studenti universitari. Un valore aggiunto è dato del fatto che i seminari sono in parte condotti nel dialetto ciaccavo, in cui sono legati i termini usati nella pratica del gioco. Il 2019 viene considerato l'anno di maggior successo nel nostro lavoro fino ad ora, perché abbiamo avviato per la prima volta il ciclo di laboratori coinvolgendo prima gli insegnanti e insegnanti di educazione fisica e poi gli scolari delle scuole primarie insieme ai loro insegnanti. Speriamo nel prossimo futuro di riuscire di formare un gruppo lavorativo
composto da insegnanti per introdurre i giochi e sport tradizionali nel sistema scolastico. Un'attività molto importante legata all'educazione dei giovani che l'IPS tiene ogni anno è il Festival Internazionale del Gioco delle Piosche, che finora si è tenuto 4 volte. Ogni anno parte del programma del festival viene dedicato alle attività e al lavoro con i bambini. Oltre a partecipare alla presentazione del gioco delle piocche e di altri giochi e sport tradizionali, i bambini e le scuole hanno l'opportunità di presentare i loro progetti nel campo della cultura tradizionale. Vengono organizzate mostre dei lavori dei bambini su giochi e sport tradizionali e per il futuro abbiamo il piano l'organizzazione di una competizione nel gioco delle piocche per i bambini delle scuole primarie e vi parteciperà il maggior numero possibile delle scuole dell'Istria. Questo 2020 e i prossimi anni rappresentano un'incognita ma anche una sfida per l'incertezza causata dalla pandemia del coronavirus. Nei suoi piani l'IPS non rinuncia alle attività pianificate e crediamo che i giochi e gli sport tradizionali nella loro ampiezza, diversità e possibilità creative possono svolgere un ruolo significativo non solo nelle attività fisiche dei partecipanti, ma anche contribuire all'importanza della cultura tradizionale in genere attraverso ai rapporti controllati e responsabili. Grazie Valentina. Milivo, ti ringraziamo moltissimo, forse faremo anche un applauso chi è in sala. Grazie. Poi un applauso virtuale. Grazie. Per questa presentazione così concreta, precisa, l'evocazione del dialetto, della lingua che è così importante fra gli elementi associati appunto alla pratica. È una parte molto, molto importante. È una parte molto importante, sappiamo quanto poter... Anche per il fatto che il nostro dialetto, scusa Valentina se ti interrompo, sì. Il nostro dialetto è protetto dall'UNESCO, così che... Sono due beni culturali che vengono insieme promossi. Certo, ma infatti da questo punto di vista l'Istria ha una quantità, diciamo, di esperienze davvero rilevanti per l'UNESCO, anche grazie all'impegno di persone come te, come Tamara, che siete sul terreno e fate questo lavoro preziosissimo, sempre con questa visione contestuale che è molto forte, io trovo, nell'approccio dell'Istria, del mettere insieme il gioco con le altre tradizioni del territorio e quindi veramente lavorare su quello che è la Convenzione definisce il senso di identità e continuità, questo sentimento, questo che poi produce un benessere anche delle comunità e delle persone riconosciute in quanto portatori di culture locali che sono il patrimonio del nostro futuro, ne siamo convinti. Ecco, ringrazio tanto Milivoj. Sì, infatti, se mi permetti ancora una battuta breve, ecco, infatti io vorrei ringraziare a Ruth e Tamara che veramente ci seguono in un modo molto molto significativo. Volevo ringraziare a tutto lo staff dell'AGA, a te personalmente per realizzare questo grande evento. Ci vediamo, speriamo, in breve tempo. Certo, e poi vediamo quanto i festival Toccati internazionale, quindi aperto alla ludodiversità, ma anche i festival invece più legati a un gioco, a un territorio, sono uno strumento importante per i territori e per la salvaguardia. E anche noi siamo stati invitati a questi festival che poi producono anche riflessione, come succede con Toccati, momenti di seminari. Abbiamo fatto un seminario interessante
interessantissimo l'anno scorso. Quest'anno purtroppo, come sappiamo, insomma, molti eventi sono stati cancellati, ma speriamo di venire presto in Croazia, perché lo spirito del progetto è accogliere a Verona, ma anche viaggiare verso gli altri e raggiungere le altre comunità sui loro territori. Quindi ecco, grazie infinite. È venuta l'ora della Francia. Alors je passe au français, c'est un pays dans lequel j'ai habité pendant 18 ans. Sono vissuta in Francia 18 anni, quindi sono particolarmente contenta di chiudere con la grande ricchezza di esperienze che ci porta la Francia in questo ambito. E Isabelle saura introduire à cette richesse, cette diversité, le titre de l'intervention, de la contribution, c'est adaptation permanente et dispositifs originaux, la transmission multiforme de jeux et sports traditionnels en France. La France a donné une contribution majeure à la mise en lumière de la valeur du jeu traditionnel par l'œuvre aussi des chercheurs comme Pierre Parlebas, comme Guy Jaouen, et donc aussi la présence en France du siège de l'Association européenne des jeux et sports traditionnels. Et pendant ces deux dernières années, c'était la France invitée d'honneur au festival. Abbiamo avuto per due anni, prima i Paesi Baschi e tutta la parte, diciamo, occidentale, poi la Bretagna l'anno scorso. Donc c'est avec un immense plaisir que dans cette place virtuelle, nous invitons à rentrer donc la France avec la voix d'Isabelle Chave du ministère de la Culture qui va introduire les contributions des communautés françaises. Merci. Isabelle, tu es en ligne? Oui. Oui, tout à fait. Je vais. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour Isabelle, bienvenue oui. Parmi nous à Vérone. Bonjour. Bonjour, bonjour, un grande saluto di Parigi a Verona e de la Francia all'Italia in generale. Grazie Isabella. Ci siamo venuti la 5 dalla Francia, possiamo dire così, per partecipare quest'anno al Festival di Verona. Je vais continuer en français puisqu'on est arrivé en délégation à 5 personnes pour vous dire combien on est content de participer même dans ces conditions contemporaine à cette manifestation. Lorsque nous avons choisi le titre de cette table ronde, s'adapter en permanence et recourir à des dispositifs originaux, c'était aussi un jeu de mots, une allégorie de l'organisation de cette journée, puisque c'en est vraiment une illustration. Nous voulions vous dire que tous les cinq, on représente le petit groupe qui a effectivement soutenu la candidature du programme TOCATI au registre des bonnes pratiques de sauvegarde, qui regroupe pour la France la Confédération des jeux et sports traditionnels de Bretagne. Elle sera représentée ici par sa directrice Peggy Liègre. La Fédération des jeux et sports traditionnels basques d'Iparralde, qui sera représentée ici par Manolo Alcoyaga Goikoetxea, qui est le président de la fédération. Nous accueillerons aussi pour la fédération de Gouronne Jean-François Hubert, qui est le représentant de cette fédération au Conseil culturel de Bretagne et aussi l'ancien président de cet organisme. Et enfin, la fédération départementale des foyers ruraux du Gers, qui sera représentée ici par son président Alain Beauvau. Alors, je crois qu'ils sont tous autour de l'écran, ou j'espère en tout cas. Et nous avons conçu une table ronde pour effectivement présenter, comme vous le disiez Valentina en préambule, soit des cas très concrets et très contemporains d'adaptation à la situation sanitaire. C'est précisément le propos que prendra Alain Beauvau avec un cas d'un dispositif de l'éducation nationale dans le contexte de la COVID-19. Mais nous voulions montrer aussi comment s'adapter en permanence, ça pouvait être aussi pour les jeux traditionnels, essayer de rechercher des acteurs de la transmission ou des cibles de la sensibilisation des jeux et sports traditionnels un peu différents, originaux, un peu différents comme par exemple les acteurs du tourisme, c'est la proposition thématique qu'a faite Peggy Liègre. Des acteurs aussi qui ne sont pas ceux des jeux et sports traditionnels, mais une sensibilisation vers les sportifs professionnels, avec l'exemple des joueurs de rugby, c'est ce que nous proposera Manolo pour la région basque. Ou encore tout un réseau de transmission qui a été conçu de très longue date pendant des années dans la région bretonne, et c'est ce que la Fédération Gouronne nous présentera tout à l'heure
à travers Jean-François Hubert. Je voudrais juste dire en préambule, et avant de leur laisser la parole, que pour nous, la candidature au programme, du programme Tocati était une intervention dans un deuxième temps, puisque pendant longtemps, de 2010 à 2016, ça a été la période la plus dense, la notion de la transmission, elle a d'abord été travaillée par la transmission, par la connaissance. Pendant 5 ans, pendant 6 ans, il y a eu un très très gros travail de fait à l'échelle nationale pour faire connaître au plus grand nombre le contenu, les composants de ces jeux et sports traditionnels dans plusieurs grandes régions françaises. Elles sont représentées ici pour cette table ronde, mais il y en a d'autres. Il y a aussi Provence-Alpes-Côte d'Azur, par exemple, ou je pense aussi aux Hauts-de-France, la partie septentrionale du pays, la Normandie également. Mais c'est vrai qu'en Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, il y a eu un travail très conséquent. Le résultat, c'est qu'au bout de 6 ans de travail, un tiers de l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel, qui représente presque 480 pratiques aujourd'hui inscrites, est entièrement consacré aux jeux et sports traditionnels. On a 129 jeux qui sont inscrits à l'inventaire et une quinzaine de pratiques physiques, dont des courses, par exemple, en outre. Donc, c'est un gros travail déjà de constitution d'un socle de données, un socle de connaissances qui, pour nous, était l'étape fondamentale de la transmission. C'était d'abord de savoir de quoi on parle et ce qu'on veut présenter en fait au public pour ensuite faire cette démarche qui a été une démarche multinationale, de se mettre ensemble pour construire un projet pour aller vers l'UNESCO et lui montrer comment la démarche avait été menée et essayer, dans la mesure du possible, c'est le propre de ce registre de bonnes pratiques de sauvegarde, de proposer des modèles, des exemples qui peuvent être éventuellement répliqués dans d'autres parties dans le monde, en particulier dans les pays en voie de développement, comme dit l'UNESCO. Et c'était le sens de cette candidature à plusieurs qui, pour nous, porte beaucoup de vertus, beaucoup de notions extrêmement positives. Ruth, tout à l'heure, rappelait effectivement les notions de développement durable au sens de l'ONU, c'est-à-dire, et notamment, la question de la construction de communautés durables, je crois, qui est au centre de ce projet du Tocati. Des notions très importantes comme la revitalisation des centres anciens aussi. En France, c'est une dimension contemporaine très forte et qui peut passer par les jeux et sports traditionnels. Une dimension aussi de soutien au savoir-faire pour qu'il y puisse y avoir ces jeux. Il y a des savoir-faire d'ailleurs de fabrication, de construction de ces jeux, de ces dispositifs ludiques. Ça, c'est important aussi de les maintenir derrière. Donc en fait, c'était un projet très complexe dans les dimensions que ça permettait de sauvegarder et de transmettre à l'avenir. Voilà, je termine ce préambule avant de passer la parole à mes convives de table ronde. Et on va commencer par Peggy Liègre pour la question justement d'un public original, celui des acteurs du tourisme. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour Peggy. Bonjour. Donc voilà, moi je vais vous parler des jeux et sports qui sont intégrés à l'aspect touristique au niveau Bretagne. Donc, juste un petit rappel. Donc, la FALSAB a vu le jour en mars 1930. Aujourd'hui, l'association a pour but de promouvoir l'ensemble des pratiques de jeux et sports traditionnels de Bretagne, donc les jeux de boules, les jeux de palais, de quilles et les jeux de force, et également d'accompagner l'ensemble de ses membres dans le développement de ces disciplines. Donc, la Confédération FALSAB regroupe aujourd'hui plus d'une trentaine de structures adhérentes réparties sur l'ensemble de la Bretagne, donc les 5 départements et la région parisienne. Donc, les adhérents, en fait, ce sont des comités et fédérations de jeux et sports traditionnels, donc entre guillemets les joueurs, mais, et également des structures à vocation socioculturelle, d'éducation populaire et touristique. Nous avons axé la mise en tourisme des jeux bretons depuis maintenant plusieurs années, pour permettre de les faire découvrir aux Bretons, mais également aux touristes venant de d'autres régions françaises et étrangères. Nous travaillons avec plusieurs écomusées, des structures touristiques du jeu, mais également des auberges de jeunesse, ou alors le réseau Bienvenue à la ferme, qui accueille des visiteurs au sein d'exploitations agricoles. Ce partenariat représente une dizaine de structures implantées sur l'ensemble du territoire breton. Pour la plupart de ces structures, le partenariat repose sur la mise à disposition de matériel et la formation des animateurs. La Confédération FALSAB met à la disposition des établissements donc différents jeux. Les structures sont libres de les décorer parce qu'en fait, on les donne, les jeux sont bruts. Donc en fait, il faut aussi les décorer pour qu'ils se fondent un petit peu dans la décoration de la structure.
Ils sont généralement installés soit dans des espaces dédiés pour les écomusées, soit dans les halls d'entrée ou les salles de jeux pour les auberges de jeunesse. Les jeux sont généralement installés en libre accès où les visiteurs, les utilisateurs, peuvent y jouer à n'importe quel moment de la journée. Chaque jeu dispose de sa règle pour faciliter la prise en main. Chaque joueur joue de façon autonome. Les animateurs et les autres encadrants ont été formés au jeu lors de la livraison du matériel et la Confédération a apporté son analyse pour une meilleure installation et une utilisation en toute sécurité. Les jeux ne doivent pas être une contrainte pour ces structures, mais un moyen pour les visiteurs d'accéder à un patrimoine sans vraiment s'en rendre compte. C'est pour cela que le choix des jeux est essentiel. Pas trop bruyant, pas trop volumineux, pas besoin de matériel de protection. Donc voilà, on fait en sorte d'adapter le jeu en fonction de la place. Ce type de partenariat débute souvent de manière informelle, lors d'une discussion anodine en marge d'une réunion, d'une conférence ou d'un salon. Et après, nous organisons une réunion sur site pour examiner la faisabilité et aménager le partenariat. Nos structures actuelles sont très assidues puisque, pour certaines, cela fait presque 15 ans que le partenariat existe. Les jeux restent la propriété de notre association, il s'agit juste d'une mise à disposition. En contrepartie, la structure verse une adhésion de 100 € par an. Le matériel est remplacé gratuitement en cas de perte d'accessoires ou détérioration. En 2012, nous avons également créé un partenariat avec un réseau de campings. Les campings achetaient le matériel et nous avons formé les encadrants à utiliser les jeux. Ce projet s'est essoufflé tout simplement dû au fait que les gérants des campings et les animateurs n'avaient pas forcément le temps nécessaire de sortir les jeux et qu'en mode location, il y avait beaucoup de pertes d'accessoires dues à l'incivilité des campeurs. Ce fut tout de même une belle expérience à renouveler, mais sous une autre forme un peu plus encadrée. En 2018, la Confédération FALSAB a créé sa propre vitrine des jeux bretons en créant un parc de loisirs dédié uniquement à la découverte et à la mise en scène des jeux traditionnels bretons dans un secteur touristique en cours de développement par la région Bretagne. Donc, le parc s'appelle le Learning Park. Il est situé au bord du canal de Nantes à Brest. C'est un secteur très fréquenté par les randonneurs à la journée ou en itinérance, à pied, à vélo, à cheval également. Il y a aussi beaucoup de camping-caristes. Il s'agit quand même d'une population très diversifiée, donc les locaux, les touristes français et parfois étrangers. Ce secteur, donc tout ce qui est le développement du tourisme autour du canal, est en cours de réhabilitation par les pouvoirs publics locaux et de gros budgets sont alloués pour son développement à court, moyen et à long terme. Donc, pour vous situer, le parc est situé au milieu des 360 km de canal et donc a vraiment tout son intérêt, au même titre que le patrimoine bâti avec les maisons éclusières où nous, à l'intérieur du parc, nous avons un four à pain. Nous avons donc des bons retours de nos visiteurs. Nous participons chaque jour pour que les jeux traditionnels bretons soient associés à un tourisme durable, environnemental, patrimonial, comme le parc. Une exposition permanente sur les jeux bretons est en cours de création au sein de la maison éclusière, où sont situés nos bureaux. Elle sera opérationnelle au printemps prochain. Cette nouvelle activité sera complémentaire par rapport à l'activité du parc. Pour conclure, la Confédération FALSAB a depuis de très nombreuses années décidé de ne pas s'enfermer dans une voie unique de développement ou de sensibilisation, mais de s'ouvrir au plus grand nombre pour faire découvrir la richesse ludique bretonne. Merci. Merci bien, Peggy. C'est très intéressant, d'autant plus que Tocoti s'engage dans un nouveau projet de parc et toutes ces expériences aussi, disons, dévouées en fait, au tourisme, doivent nous interroger sur les meilleures modalités d'inclure aussi les touristes dans la ville, les initier aux jeux traditionnels. Nous avons une grande richesse italienne de jeux qui est pratiquement inconnue au plus grand nombre. Donc voilà un autre enjeu important pour les années à venir. Voilà, merci beaucoup. Et nous passons donc la parole à Manolo. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez d'abord? Oui. Très bien. Donc, chers amis, bonjour et bienvenue. Nous, chez nous, on vous dirait Egunon, jour bon, parce qu'on est inverse. En Pays Basque, jusqu'en 1980, on pratiquait le rugby l'hiver et les jeux traditionnels l'été.
les clubs de rugby amateurs avaient un seul entraîneur, souvent bénévole, et ils avaient besoin d'hommes forts. Certains pratiquants de jeu basque, d'ailleurs, sont devenus des grands internationaux de rugby. Les travaux quotidiens de la ferme étaient leur entraînement naturel. Le dimanche, match avec les amis, et après le match, autour d'une table et en chanson. Ceci a pratiquement disparu. En mai, retour vers les Jeux basques. Une période magnifique portée par tout un pays qui s'identifie à cette culture. Rugbystique et jeux traditionnels. Avec le professionnalisme, le rugby s'est replié sur lui-même comme d'autres sports professionnels. Les entraîneurs ne voulaient surtout pas voir leurs joueurs durant l'été pratiquer des jeux de paysans. C'était le mot de l'époque. Et pour eux, ce n'était pas du sport. Et pour certains encore, ce n'est pas encore du sport. La mécanisation, de l'autre côté, avait rendu le travail à la ferme beaucoup moins difficile, beaucoup moins physique. L'entraînement de fond naturel a disparu. La modernisation, la professionnalisation du sport ont réduit progressivement nos jeux traditionnels à un spectacle folklorique pour touristes. Très apprécié partout, totalement oublié par nos congénères et par nos territoires d'origine. Lundi, on fait un film avec FR3 pour la France entière que nos congénères peut-être verront. Une lente descente aux enfers. Ce n'est pas un enjeu politique suffisant pour que nos élus s'y intéressent, pour l'instant, j'espère. Il risque de disparaître et nous en sommes bien sûr, nous aussi, un peu responsables quelque part. Voici la synthèse de la situation. Vérone, en 2018, a été un catalyseur pour tous les membres de chez nous qui ont participé. Et on en a retenu une chose, aide-toi et le ciel t'aidera. N'attends pas des autres ce que tu peux faire toi-même. Sensibiliser, communiquer, créer une prise de conscience pour relancer ces jeux qui font partie du patrimoine immatériel et culturel de l'humanité et que certains de nos membres ont découvert ce concept. Certains même beaucoup. Un club de la fédération se lance. Louer un local de 330 mètres carrés avec une esplanade de 2000 mètres carrés. C'est très novateur chez nous. Installer nos jeux et des appareils d'entraînement physique modernes est une question qui nous taraudait. Pourquoi les jeunes et les adultes iraient dans les salles de musculation ou de crossfit ou d'autres noms en payant un abonnement souvent assez élevé, alors que s'ils venaient chez nous, ça serait totalement gratuit. À nous de montrer que nos sports collectifs sont plus intéressants qu'une pratique individuelle. Donc, il fallait se faire connaître, il faut se faire connaître, il faut communiquer, et il faut aussi utiliser les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez dit, mais c'est l'air du temps. Dans la même période, le rugby traverse des moments très durs. Leur image est ternie par un jeu dur d'affrontement, alors qu'à l'origine, c'est un jeu d'évitement. Décès, grosses blessures invalidantes, et les écoles de rugby progressivement se vident. Les mamans n'ont pas envie d'envoyer des gosses pour devenir demain des paralytiques. Je grossis le trait, mais c'est un peu ce que pensent les gens. Le nombre d'affiliés baisse. Les petits clubs de villes et de villages souffrent face à la professionnalisation. Et fait nouveau, la bulle économique du sport professionnel est touchée aussi par le Covid. Pour ces raisons, et d'autres sûrement, après 40 ans, nous nous sommes retrouvés avec notre club d'origine. Moi, je suis d'Hendaye, il y a un club de sport basque à Hendaye, et j'ai pratiqué et le rugby et les sports basques à Hendaye. Les dirigeants voulaient essayer les jeux basques pour faire une journée de cohésion. La visite de nos installations les a rassurés. Nous avons mis en place une journée. Le travail est en deux temps. Constitution d'équipe faite de gabarits et de compétences diverses et variées. Pas un seul gabarit, pas une seule compétence. Premier temps, découverte de 10 jeux basques pour 40 participants. Pas de performance, pas de mise en danger physique ou psychique des participants. On fait ça très régulièrement, nous, dans les démonstrations publiques, en invitant des volontaires à venir essayer. On montre les principes, on conseille et ils essayent. Deuxième temps,
chaque équipe de 10, contre la montre, réalise l'ensemble des jeux dans une petite compétition entre elles que nous supervisons. C'est un jeu, il n'y a rien à gagner. Un jeu, un athlète, chaque membre de l'équipe participe au moins à un jeu, et le jeu fini, il passe le relais à l'autre pour terminer ce véritable décathlon. C'est original. Le bilan est très instructif pour les entraîneurs, mais pour nous aussi. Adaptation, solidarité, jeu et non une compétition sauvage, brassage, cohésion, plaisir de jouer, de gagner un jeu et d'être meilleur dans le jeu que son copain. Mais rien à gagner de concret. C'était pratiquement du jamais vu dans les entraînements de rugby. Entraîneurs et pratiquants disent que cela vaut un entraînement classique. Tous les muscles sont sollicités et en plus, l'ambiance est extraordinaire. Une bonne quinzaine d'athlètes ont un avenir immédiat dans l'enjeu traditionnel. Et on a clôturé la journée avec un bon casse-croûte collectif à la fin, pour rester gaulois, même quand on est basque, on peut être gaulois, et une photo souvenir tous ensemble. Bon, et après, quel futur ? Des rendez-vous pour les prochaines expériences. Pourquoi ne pas présenter ce type de décathlon, fin janvier 2011, pour les fêtes patronales, devant un public local ? La revanche en juin, dans les mêmes conditions, pour fêter l'arrivée de l'été. Les 15 meilleurs volontaires seront invités par nous à poursuivre, s'ils le désirent, avec tous les championnats et divers challenges que l'on aura l'été 2021. Si le Covid-19 nous laisse tranquille, on va croiser les doigts. Affaire à suivre. Alors, je rajouterai, et ça, vous ne l'avez pas dans le texte, mais je vous le renverrai, que cette expérience s'éleva au bout. Elle est transposable à tous les clubs de notre fédération, quel que soit le partenariat sportif en place. Rugby, foot, hand, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de s'ouvrir vers d'autres sports pour montrer la qualité, la diversité de nos jeux et la complémentarité avec les autres. La première phase, c'est rompre notre isolement. La deuxième sera de reprendre toute notre place sur notre territoire. Mille grazie, merci de votre attention. À très bientôt. Merci Manolo pour cette énergie et toujours, comme l'année dernière déjà, nous rappeler l'essentiel. Je ne vous entends pas, mais bon. Le jeu des paysans qui sont en fait promus à patrimoine culturel de l'humanité, la gratuité. Je ne sais pas, il y a eu quelques voix qui se sont glissées. En tout cas, merci infiniment pour l'énergie de cette, et la clarté aussi de ce témoignage qui vient du Pays Basque, qui pose la grande question de la relation au sport professionnel, hein, et aussi toutes les victimes en fait, qui a fait un processus de modernisation mortifiant les traditions locales. Donc voilà, adaptation, solidarité, jeu non compétitif, des enjeux en fait pour notre société de demain. Et aussi pour le patrimoine culturel et matériel que nous essayons en fait de faire connaître et de faire devenir un outil pour nos communautés. Donc merci Manolo, c'était très très intéressant. Maintenant nous continuons avec le Gouren, toujours en Bretagne. Donc nous revenons vers la Bretagne avec Jean-François Aubert. Bonjour et merci de nous rejoindre. Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Oui, la parole est à vous. Bonjour, eh bien, je remercie les organisateurs de tout cet événement, parce que en cette période où on s'est beaucoup perdu de vue les uns les autres pour les raisons que l'on sait, c'est très agréable de se retrouver ensemble autour de nos passions communes, hein, ces sports traditionnels. Alors le Gouren, puisque c'est ma spécialité, donc un style de lutte en Bretagne, pratique très très populaire jusqu'au milieu du XXe siècle et qui fonctionnait historiquement sous deux aspects, une pratique ludique quotidienne après les travaux des champs, un peu comme les sports basques après avoir travaillé au champ, on se mesurait à la lutte. Et avec une transmission plutôt familiale ou plutôt de village, hein. Et le deuxième aspect de
du fonctionnement de historique. Hein, c'était des grands tournois organisés par des comités institutionnalisés et qui drainaient des milliers de spectateurs dans beaucoup d'endroits. Alors, les comités organisateurs en question faisaient venir les meilleurs lutteurs, distribuaient des prix et une certaine dérive, en tout cas en termes d'éthique, de la pratique du Goren, a été dans les années, une centaine d'années, un gros risque de disparition parce qu'il n'y avait pas un fonctionnement sportif. Donc, il y a une première étape de sportivisation en 1930, création de la Fédération des Amis des Luttes Sport Athlétique Breton, qui a codifié et bien structuré la pratique. Et en milieu rural, cette structuration a été suffisante pour faire vivre de manière plutôt très très importante le Goren, donc pendant 40-50 ans, pratique vivante, populaire, toujours plusieurs milliers de spectateurs à des tournois, mais essentiellement en milieu rural. Et les mutations de la société rurale, l'exode, le développement concurrentiel des autres sports, l'arrivée de la télévision, puis l'inspiration des jeunes à d'autres choses que la pratique traditionnelle de papa ou papy, hein, on est un essoufflement qui a été un nouveau risque de disparition, et on a eu là une deuxième étape de sportivisation, comme on dit, hein, besoin de s'adapter aux demandes par la création de structure de club et par des règlements et des modes de transmission plus élaborés, en tout cas s'adaptant à l'heure du temps dans le mode de développement des activités sportives en général. Hein, donc la transmission a été transférée de l'héritage familial ou de village à des entraîneurs ou des éducateurs sportifs diplômés. Les diplômes encadrés par les règlements de jeunesse et sport. Donc, le Goren a voulu à ce moment-là se mettre dans la mouvance de tous les sports en faisant reconnaître ce règlement et ses modes de pratique par les instances jeunesse et sport et enfin, les ministres en charge des sports à l'époque. Donc, j'en viens au thème d'aujourd'hui qui est la transmission du Goren Bretagne, actualité d'un réseau spécialisé. Alors, la base du fonctionnement aujourd'hui, c'est un maillage territorial sur l'ensemble de la Bretagne, 30 à 40 clubs, 35 à 40, ça fluctue suivant les années, qui fédère 1600 licenciés. Donc, c'est 30 à 40 clubs sous l'égide d'une fédération, de la fédération de Goren, qui structure, organise la pratique. Donc, un des points importants à un moment clé de ce développement, c'est la mise en place de contenus de formation adaptés au Goren, qui ont été accompagnés par les structures, les instances de la Fédération française de lutte, donc un organe, une fédération olympique avec son savoir-faire et ses structures a hébergé les formations de Goren hein, pour délivrer des brevets d'État, d'éducateurs sportifs option Goren et donc une reconnaissance institutionnelle et ça a été l'ouverture la clé hein, de l'acceptation de beaucoup de nos actions. Donc aujourd'hui, la transmission s'effectue par des entraîneurs qui sont diplômés bénévoles pour environ la moitié des clubs et l'autre pour l'autre moitié, ce sont des professionnels. Hein, donc des professionnels éducateurs sportifs qui interviennent grosso modo à moitié de leur temps dans les clubs pour entraîner, pour faire vivre la pratique, et en milieu scolaire, puisque donc en journée, il n'y a pas de club qui fonctionne, mais les écoles accueillent le Goren très facilement, je dirais, oui, très facilement pour l'école primaire. Hein.
en collège, lycée, enseignement supérieur. Il y a quelques touches, quelques épisodes de fonctionnement, mais la manière dont nous sommes le mieux accueillis, c'est à l'école primaire, en collaboration évidemment avec l'éducation nationale. Alors, pourquoi un si bon accueil? C'est parce que bon, il y a eu un gros travail de fait en interne pour former nos professionnels en utilisant les mots-clés que les professeurs des écoles sont en charge de véhiculer, enfin de transmettre dans le cadre de l'enseignement, le respect, la loyauté, les aspects de patrimoine immatériel, local et régional. Alors ça, sont des atouts précieux, appréciés par le monde de l'éducation, et plusieurs milliers d'enfants par an, enfin 10 à 15 000 suivant les années, découvrent chaque année le Gouren au moins une fois, et pour beaucoup, ce sont des cycles sous contrat de 6 séances ou 8 séances et plus, et avec en fin d'action, des animations inter-écoles, des confrontations inter-écoles entre les écoles d'un secteur qui ont bénéficié de ces prestations. La Fédération de Gouren a fait un gros travail, c'est une clé de l'ouverture de l'école, hein, collaboration avec des éducateurs sportifs pour adapter son offre au mieux. Hein, aux demandes de l'éducation c'est nationale, rendre l'offre compatible ça, avec... C'est le ministère, Isabelle Beauvau, Isabelle Chave. Ouais, allô, oui. Manolo, donc, il faut fermer le micro. Mais c'est très bien aussi de rentrer dans les maisons un petit peu. Hein. Donc voilà, pour entrer dans l'école, la Fédération de Gouren, on a la prétention d'apporter une plus-value, elle est reconnue, hein, en termes de patrimoine, d'histoire, de géographie, parce qu'on ne fait pas que du Gouren, on fait aussi le tour du monde des luttes traditionnelles. Hein, il y a 400 sortes de luttes traditionnelles répertoriées dans le monde, donc au programme, on a besoin d'un certain nombre de spécialisations, la Cocoa du Niger, le Bacold écossais, et ainsi de suite. Donc, des valeurs, des mots-clés qui sont reconnus par l'éducation nationale. Et ça, c'est une mission, et je dirais, ça va jusqu'à la contribution au concept de vivre ensemble, parce qu'un certain code d'honneur des lutteurs, le serment de loyauté, et ainsi de suite, sont des outils qui peuvent être très intéressants pour les professionnels de l'éducation. Donc, alors, ces professionnels, leur mission la plus importante, c'est entraîner dans les clubs et intervenir en école. Et le deuxième aspect, c'est une contribution à leur vie fédérale, organiser, contribuer au fonctionnement des compétitions. Et participer aussi aux tournois traditionnels de l'été en plein air. Alors, je vais terminer en disant peut-être. Les sportivisations ont apporté des solutions pour le maintien de l'activité, mais le Gouren, c'est une saison d'hiver, alors que certains qualifient d'aseptisé parce qu'on fonctionne comme tout sport de combat, avec des codes et puis de pratiques en salle. Et le côté pratique traditionnelle avec des tournois d'été en mode festif avec une dimension culturelle indéniable qu'apprécient les lutteurs, qu'apprécient les visiteurs, les touristes, enfin toutes les personnes qui viennent voir ces compétitions-là. Je dirais paradoxalement, il y a beaucoup, assez peu de Bretons suivent de manière... en tant que spécialiste, amateur, éclairer les compétitions de Gouren aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui nous interpelle aujourd'hui. Et donc, je conclurai en disant que sur notre fonctionnement, nous appuyons sur ces professionnels. Alors, les professionnels en question
comment est-ce qu'on les paye? Eh bien, les prestations sont facturées, ça correspond à 30 à 40% du financement des postes, et pour le reste, hein, ce sont les collectivités, région Bretagne et départements qui contribuent au financement. Alors, ces financements par les collectivités, c'est le fruit d'un long et permanent travail depuis plusieurs décennies pour faire reconnaître par les instances nationales, régionales, départementales, la nécessité de sauvegarder et autant que possible développer cet élément du patrimoine de Bretagne qu'est la lutte gouraine. Voilà, donc merci de m'avoir écouté. Merci bien. Alors, j'ajouterais que le Covid a complètement bousculé, va bouleverser notre fonctionnement, puisque au mois de mars, il y a zéro activité. Et nous essayons de rebondir en cette rentrée. Nous sommes confrontés, comme beaucoup d'autres activités, à la réticence des Alors, ça sera très intéressant, justement, on va terminer avec le Covid, parce que justement, Alain Beauvau va nous éclairer sur cette très, très intéressante expérience des jeux sports traditionnels en temps de Covid, hein, pour terminer avec la table de la France. Merci Jean-François, parce que tous les mots-clés importants et essentiels de notre réflexion, risque de disparition, fragilité, adaptation, reconnaissance institutionnelle, relationnelle à l'éducation nationale, étaient dans votre intervention. Et je rappelle à tout le monde que l'année passée, nous avions le Gouren sur les places de Vérone, et beaucoup d'enfants et de jeunes, mais aussi d'adultes, ont été initiés à cette magnifique discipline traditionnelle. Voilà la parole donc à Alain Beauvau. Nous avons un petit peu dépassé le temps et il y a des problèmes de salle comme d'habitude. Donc Alain, nous vous écoutons pendant quelques minutes, mais vous pas. M'attendez. Voilà. Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, et on voit aussi, les quilles maillées là dans les drapeaux derrière vous. Ah mais oui, j'essaye de vendre un peu, faire de la communication. Très bien, c'est super, magnifique. Merci Alain, on vous écoute. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous avoir invités. Je vais faire très vite parce que je crois qu'on a débordé. Mais je vais essayer de vous parler de ce dispositif 2S2C qui s'est mis en place, bien sûr, à partir du mois de mai, début juin, pour le retour à l'école des petits et des jeunes. Donc, la crise sanitaire, bien sûr, et les contraintes de distanciation entraînent des conditions d'accueil très particulières dans les écoles. Donc, ce qui a permis, c'est que ce dispositif a permis que quand l'élève n'était pas en classe, il était un dispositif sport, santé, culture et civisme. Voilà, donc ce sont des activités sur le temps scolaire qui se déroulent dans le prolongement des apprentissages et en complémentarité avec l'enseignant. Voilà, donc ces activités peuvent être assurées en priorité par des professeurs, bien sûr, en complément de service, hein, avec des échanges de services ou en inter-degré, école, collège, et en heures supplémentaires. En outre, dans le cadre d'une convention avec la collectivité territoriale de rattachement, des activités notamment dans les domaines du sport, de la santé, de la culture et du civisme peuvent être organisées par la collectivité pendant le temps scolaire. Ça, c'est très important. Ces interventions dans les différents domaines proposés ne se substituent pas aux enseignants et donc à l'activité première des professeurs dans leur discipline. Donc, plusieurs activités sont proposées. Par exemple, pour les pratiques extérieures, nous avons les pratiques individuelles, la course, le parcours de motricité, préparation physique généralisée, danse, yoga, quilles, vélo, etc. etc. Donc, pour les activités aussi artistiques et culturelles, il peut s'agir par exemple d'ateliers d'art plastique autour du dessin, d'ateliers d'improvisation théâtrale, d'ateliers d'écriture, de rencontres avec des artistes. Et aussi, il y a des activités civiques. Il peut s'agir par exemple d'activités autour de l'engagement citoyen, d'activités autour du développement durable, etc., etc. Donc, ce dispositif est mis en œuvre dans l'école ou l'établissement de l'enfant avec le directeur d'école et le chef d'établissement qui communique les différentes activités proposées et les horaires. Les activités se déroulent généralement la journée. Les élèves sont concernés sur la base du volontariat,
comme les autres élèves, les formations concernant l'offre d'activités 2S2C leur est communiquée par les chefs d'établissement et les directeurs d'école. Et pour conclure, je vous ai mis en phase l'activité qui a été faite dans un petit village à côté de chez moi, qui s'appelle Louga. Et ce dispositif a d'ailleurs concrétisé l'osmose entre la commune et son école avec la participation des associations. Ce dispositif orchestré par Jean-Marie Mathieu, adjoint délégué aux affaires scolaires, a prouvé toute son efficacité et il a permis d'accueillir à l'école un maximum d'enfants. Donc, vous voyez, il y avait plusieurs activités. Il y avait le vélo, les quilles, l'écriture. Il y avait aussi du théâtre et un enseignement avec du langage sifflé. Voilà, je vous remercie. J'ai été court. Je pense que j'ai rattrapé le temps perdu. Merci. C'était vraiment... D'avoir écouté. Parfait. Isabelle, vous voulez conclure pour la France ? C'était vraiment très intéressant, Alain, et aussi une source d'inspiration pour nos écoles dans les mois à venir. Donc peut-être qu'on reviendra vers vous aussi pour des approfondissements avec nos enseignants, parce que c'est vraiment une expérience que la France a mis en place importante. Merci. Oui, pour conclure, simplement remercier les quatre co-intervenants de cette table ronde. On s'est mobilisés dans un délai assez court et on a essayé de vous proposer, comme je pense vous l'avez vu, des propos complémentaires et qui se font écho les uns les autres et qui ont cherché, en tout cas, à démontrer l'extraordinaire potentiel des jeux et sports traditionnels d'ouverture vers d'autres communautés. Je crois que c'était un peu, pour résumer, ce qu'on a perçu des quatre interventions différentes, cette capacité à aller vers les touristes, vers des amateurs, vers du grand public, vers des mondes de l'éducation, différents âges, des personnes de capacités physiques également totalement différentes, et puis des capacités aussi de transmission de valeurs qui sont ancrées dans les jeux et sports traditionnels, mais qui peuvent irriguer de façon extrêmement positive d'autres dispositifs du domaine des pratiques physiques, et c'était l'intervention en particulier sur le rugby, où par une espèce de retour, aujourd'hui on fait appel aux jeux et sports traditionnels pour venir donner les bonnes pratiques à des sports professionnels. Et ça, c'était une démonstration qu'on souhaitait faire aussi ce matin. Voilà, je ne ferai pas beaucoup plus longue, mais je souhaite un très grand succès au festival de cette année. Et encore merci aux quatre intervenants français de cette table ronde. Merci. Cette table ronde de la France, comme d'autres contributions, mérite peut-être une publication. Nous allons réfléchir tous ensemble à ça, parce que vraiment, c'était très, très riche et intéressant. Alors là, j'ai vraiment l'honneur de laisser maintenant la parole. I don't know if Pere, en français ou en anglais, à Pere La Vega, qui est le président de l'Association européenne Jeux et sports traditionnels, un acteur majeur du processus de candidature et au-delà de ça, vraiment du réseau, du grand réseau, réseau des réseaux des jeux et sports traditionnels en Europe, et pour finir aussi dans le monde avec Guy Jaouen qui n'est pas présent, mais il sera remplacé par le vice-président Joseph. Donc on va vous écouter l'un après l'autre. Merci infiniment. ITSGA, c'est l'International Traditional Sport and Games Association, et ETSGA, l'organisation européenne des jeux et sports traditionnels, qui travaille en étroite complémentarité et qui sont aussi un grand support pour nous dans tout ce que AGA a pu réaliser depuis l'origine. Merci Pere, je te laisse la parole. Grazie mille Valentina. Complimenti, auguri per this event, for this seminar that I think it's very great and necessary action for promoting traditional sporting games, as well as for try to do the best to make them visible for everybody. I'm very happy because today we have seen all the contributions has been very, very interesting. And we have confirmed that we are working in different fields, in different domains as a network. For this reason, I would like to highlight this idea. The European Association as a network of networks for the transmission of traditional games and sports as intangible cultural heritage.
Bien, je suis un peu désolé parce que j'avais préparé ma présentation avec un PowerPoint avec beaucoup d'images parce que je pense que les images peuvent transmettre de manière très claire les messages, mais je sais qu'à cause des problèmes techniques ou difficultés techniques n'était pas possible, mais je vais essayer d'expliquer ce que j'ai présenté avec la préparation de mon PowerPoint. Donc la première chose à considérer est que l'Association européenne c'est un réseau où il y a beaucoup de membres avec différents profils. Nous savons, dans notre association, nous sommes plus ou moins 75 membres, associations culturelles et musées, fédérations des sports traditionnels, associations des sports traditionnels, universités et centres de formation, membres individuels et aussi membres honoraires. Donc, tous ensemble, nous sommes un réseau où nous pouvons agir dans la transmission de ce patrimoine culturel et matériel de différentes manières. So, I would like to highlight that as our European Association is a network, we are working, I think that we are representing more than 500,000 people from Europe, from different countries. And for this reason, we could consider different ways of transmitting the knowledge, the values, all the important and core things that are linked to traditional games. Because we are talking about an immaterial heritage where there are many, many things, not material, some like feelings, emotions, relationships, that they are the mirror of what our activities can bring to our society. At this moment, all the world has the same problem, the problem caused by coronavirus. And then we have seen, we have noticed the importance to promote relationships, to promote a balanced situation when we take care of our environment. And there, traditional games are plenty of these values to show us the importance of our intangible cultural and playful heritage. So I would like to identify some examples of how our European Association is active in the formal education transmission as well as in the not formal context of transmission. When we talk about the formal education transmission, we can see different examples of domains where we are acting. As for instance, we are acting in the domain of trainers, training of future trainees, because we have members in the university or and the top level, academic level for training people that will work in this section. And then we have experiences in the bachelor's degree, master's degree, online courses, as well as summer schools. Some of our members, as you have seen some minutes ago, have some experiences in primary or secondary education, mainly in physical education courses. We have also in a formal education context, some experiences related to international projects, where we have tried to do our best to promote, for instance, the intercultural dialogue, the social inclusion. And we have some experiences where universities with educational centers have worked together. In the field of research, in a formal context, we have some members and some experiences in doctoral theses, research projects from different points of view, ethnological, ethnographical, sociocultural, pedagogical approaches. We have also experiences in many examples of publication of books, papers, videos, as well as international projects. I think that when we talk about formal context, formal ways of transmissions, then it's very important to give the protagonist to the action. Because sometimes we use very nice
very nice words, very beautiful words, but they are perhaps a little far from the practice. We can highlight the condition of traditional games as intangible cultural heritage. Okay, but what does it mean for the teacher, for instance, of physical education? So then we can identify and find out through our members that there are very, very nice experiences where students, for instance, some students are playing and some other students are observing what is happening there. They are activating the reflection in action. And this is one way to highlight the transmission of traditional sports and games as intangible cultural heritage, providing some intelligent knowledge for students, because if they can notice and realize what they are doing, the meaning of these sort of activities, then they will be able to understand the great contribution of this type of activities. Nowadays, two days ago, one colleague from our association sent me some pictures with some experiences with his students, primary students. Then we can see the students that, for instance, they are with masks and they are agreeing the rules. They are pacting, they are trying to say in which way they are going to play. To play what? For instance, a ball game. A ball game using some materials that have been adapted just for this situation. So another message is that in our field, it's very easy to be closer to any situation and to get adapted to the different situations that we should consider. Je voudrais aussi souligner un projet qu'on a partagé, que j'ai coordonné. Et on a eu différents membres de l'association européenne qui a partagé ce projet. Ça a été le projet Bridge, le pont. Et avec ce projet, il a eu différentes personnes, élèves de différents lycées de l'Italie, de la France, du Portugal et de l'Espagne, qui ont été ensemble à Tocati. Et avec aussi différents groupes de personnes de l'université, de différentes universités de ces pays. Et tous ensemble, on partageait différentes choses, différentes transmissions, moyens de transmission. Et on a donné la parole à les différents élèves et ils ont parlé. Ils ont partagé différentes choses. Ils ont participé ensemble en différentes situations de jeux. Et là, ils ont fait de manière pratique la transmission de la culture traditionnelle des jeux traditionnels. Et c'est aussi très, très important. Oui, et dans la deuxième partie, je voulais souligner aussi que l'Association européenne a beaucoup d'expérience dans le contexte de l'éducation non formelle. Ça veut dire l'éducation qui n'est pas officielle pour le ministère, mais là, ça veut dire que ce n'est pas un contexte moins riche, moins intéressant. Non, c'est le même. Et là, par exemple, nous avons différentes fédérations, associations de jeux sports traditionnels, où nous avons différents centres de formation, comme on a vu avant, par exemple. Et c'est très, très, très intéressant là. Nous avons l'expérience que les membres de l'Association européenne ont fait par rapport à l'inclusion sociale avec personnes avec handicap, en situation de handicap intellectuel ou de différentes typologies, avec l'intention de vivre ensemble le bien-être relationnel des jeux sports traditionnels. On a aussi dans notre association une expérience très jolie entre jeunes, la jeunesse, et joueurs de différentes organisations. Je connais par exemple différentes expériences de la France avec l'Espagne, de Portugal avec l'Espagne, avec différents pays où les joueurs dans cette association, fédération ou association culturelle des jeux traditionnels, ils ont voyagé à notre pays et après ils ont reçu les autres personnes des autres pays et ils ont partagé un changement très très joli. On a aussi le contexte non formel des festivals, par exemple Tocati, c'est extraordinaire cet exemple, où là, toutes les personnes et notre membre, en tant que personne compétente dans les jeux, ils peuvent partager les fonctions de jouer, de aussi montrer les jeux et de partager les valeurs des jeux sports traditionnels.
On a voyagé la société européenne à d'autres pays de l'Europe, par exemple à l'Afrique, par exemple à la Tunisie, et nous avons une relation très cordiale avec l'Afrique, et pour ça c'est très intéressant qu'aujourd'hui le président de cette association ici, Monsieur Joseph Grassidi. Là, par exemple, quand nous sommes allés à la Tunisie, il y avait une délégation de différents jeux, par exemple de GDKI, et notre ami Jacques, il a montré, par exemple, les GDKI avec d'autres collègues à les personnes de là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré les jeux avec l'intention de tout de suite de jouer, de mise en pratique ces jeux. Voilà ici la manière de transmettre les jeux traditionnels où tout le monde a les mêmes parles, les mêmes langages. Et c'est une richesse pour tout nous. So, with this situation, we are observing how we are acting in a formal and not formal context. In my PowerPoint, to find this presentation, I choose some pictures that I took when some people, a group of refugees from Albania, went to the museum in Almunia, in Spain, where we have our secretary headquarters. And there we could see how one person there, he prepared, our friend Fernando Maestro, he prepared a workshop. And then we can see with the faces of people that initially they were sad. They were refugees because as a result of the war in Albania, and they came there, and there through the games, through listening to the information that Fernando Maestro told them and participating in a practical way, the faces were changing. And step by step, young people, all together, men, women, started to share these feelings. That is the transmission in a very clear and direct way of what values of traditional sports games means. So for this reason, I think that we are very happy becoming a feeling that we are a part of a very great community, a community of communities, a network of networks, where this great variety of members and contexts in the formal and not formal domains can offer us some very clear ways of transmission of values of traditional games and sports. For all of these things, I would like to thank the organizers of this event in order to have had the opportunity to share these things with all of you. Thank you so much. Thank you. C'était très important, la voix du président, nous rappelant tous ces aspects fondamentaux de synergie qui sont là, que nous sommes en train de vivre. Et une chose qui est particulièrement importante, c'est la relation, en fait, les réseaux et la relation entre les continents. Donc l'Europe, une Europe ouverte, hein, l'Europe des jeux et sports traditionnels est une Europe très ouverte vers le monde. Et symboliquement, c'est très intéressant de terminer avec la voix de l'Afrique, hein, du président de la nouvelle, pas toute nouvelle, mais assez nouvelle association donc, africaine, qui fait partie de l'ITSGA, de l'International Traditional Games and Sport Association. Le président de l'ITSGA, Guy Jaouen, nous a envoyé les textes que vous avez donc, dans les abstracts, les textes en fait de conclusion finale, de la déclaration de Vérone à l'engagement international de Tocati, un programme partagé pour la sauvegarde des jeux et sports traditionnels. Il faut dire que la contribution de Guy Jaouen a été majeure au début de ce parcours, avec cette déclaration de Vérone et cet engagement fort envers le secteur de l'éducation. Et il faut dire aussi que je me rappelle toujours cette ambiance extraordinaire de 2015 dans laquelle tout le monde s'est découvert, a découvert en fait une synergie des volontés. Et nous avons fait aussi démarrer les processus de candidature de Tocati. Et Pere Lavega et Guy nous ont vraiment accompagnés avec énergie et un esprit positif, toujours engagé.
dans ce parcours. Alors là, j'ai vraiment le grand plaisir d'appeler Joseph Rachidi, qui a été aussi à Toccati plusieurs fois. Nous avons aussi partagé des moments ici à Vérone. Vous savez, l'esprit du registre des bonnes pratiques est vraiment l'esprit de la coopération internationale et en particulier de la coopération nord-sud, de la coopération en fait avec les pays en voie de développement, avec les continents africains, asiatiques. Donc, et américain, donc je salue en fait ces hasards qui fait que Joseph soit avec nous et j'espère qu'il sera avec nous aussi pour les années à venir pour écouter et partager avec nous et nous amener la leçon de l'Afrique. C'est le continent du patrimoine immatériel par excellence. Et, les proverbes disent en Afrique, quand un homme meurt, c'est une bibliothèque entière qui brûle. Et en fait, c'est vraiment ça, l'Afrique, le pays où le patrimoine immatériel est peut-être encore plus une émergence globale qu'ailleurs. Donc, je salue Joseph et je le prie de nous rejoindre pour les mots de la fin de cette matinée. Joseph, tu es en ligne? Le voilà. Mais il faut activer les micros. Alors, Joseph du Congo, hein? Je ne sais pas pourquoi, mais on n'entend pas la voix. On te voit très bien, mais on n'entend pas. On voit aussi les drapeaux de l'Afrique derrière toi, mais du continent. Mais en fait, pour l'instant, on n'a pas encore la voix. Est-ce qu'il y a un problème? Hein? Joseph, tu arrives à activer ton micro? Voilà, c'est bon. Non, c'est pas bon. Non, c'est sainte. Joseph, attends, parce qu'on ne t'écoute pas. On voit le visage, mais on a l'image, mais on n'a pas le son. Est-ce que tu peux vérifier que ton micro fonctionne bien? Ça serait trop dommage de ne pas t'entendre pour les conclusions conclusives. Non. Non, abbiamo la voce di Joseph. Che... Valentina? Sì, Pere. Peut-être si tu veux une idée que Joseph m'appelle moi par WhatsApp et je pose. Ah si, ça c'est une très bonne idée. Perret, tu as toujours la solution. C'est le facilitator. Si, nous allons essayer encore une minute et puis si ça ne marche pas, Joseph, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu pourrais appeler via WhatsApp Perret? Ainsi, au moins, on entend ta voix. Vu qu'on te voit, on entendra ta voix par le téléphone. C'est une solution de compromis. Un moment, Joseph, tu peux parler? Oui. Voilà. Mais Joseph, tu dois fermer ton micro, Joseph. Voilà. Non, mais Joseph, le micro de ton ordinateur. Il est fermé? Le micro de l'ordinateur est fermé. Apparemment, l'icône est barrée. Oui, mais pas le micro de cellulaire, Joseph. Le micro du cellulaire doit être actif, sinon on ne t'entendra pas. Oui, Joseph, active le micro de ton cellulaire. Du téléphone, le micro du téléphone. Oui, Joseph.
Il a fermé le micro di telefono. Comunque siamo arrivati alle conclusioni e vedere apparire Joseph con la bandiera. Mandan. Oui. Ah, voilà, super. D'accord. Je vous remercie beaucoup pour moi, c'est un honneur envers moi, le continent africain. Officiellement, je suis là aujourd'hui pour représenter M. Guinjaël, qui est le président de l'ISGA, moi en tant que le secrétaire général de l'organisation. Et je profiterai peut-être de quelques minutes pour parler de mon continent africain. Comme l'a souligné Mme Valentina, il y a autant d'années que je suis aux côtés des amis président des organisations, des différentes organisations européennes du jeu sport traditionnel. Et ça nous a forgé à l'Afrique pour garder cette relation si historique depuis des années et des années, pour partager des valeurs communes et entrer à la culture du jeu sport traditionnel comme patrimoine culturel immatériel. J'ai bien l'obligation d'abord de lire le texte, si vous me le permettez, du président Guinjaël, au niveau des cas. Et en deuxième lieu, je parlerai des trois minutes de l'Afrique et de notre organisation, presque nouvelle. La première recommandation de l'UNESCO concernant les jeux et sports traditionnels date de 1986 sous la plume du directeur général Amadou Martar. Dans son courrier, le ministre y rappelait la recommandation de CIGEP qui préconisait la protection et le développement des jeux, danse et sports traditionnels dans le cadre de l'éducation physique et du sport au moyen de préserver le patrimoine culturel. Cela fut suivi en novembre 1993 par le lancement d'un inventaire mondial des jeux physiques et des traditions sous la direction de M. Arthur Gillet, directeur de la jeunesse et des activités physiques. Dans ce courrier, il précise que le domaine malheureusement qui était été exploré. Et c'est la raison pour laquelle l'UNESCO propose le secteur des jeux physiques qui était pratiqué autrefois par les gens après le travail. Après leur travail, lors de leurs jours de repos, lors des fêtes religieuses, lors des jours de marché, lors des fêtes saisonnières. Puis il y a eu la déclaration des comptes à BST après l'organisation du MINICEP 3 en 1999. La promotion et la préservation des jeux traditionnels dans chaque pays y était clairement mise en avant. Nous sommes en 2020 et avec la globalisation galopante, nous sommes tous bien conscients que ce travail devient de plus en plus urgent. L'ITSGA a été créé en 2009 afin de participer activement à ce travail. Elle a pour objectif principal de mettre en liaison les principales organisations de jeux et sports traditionnels au niveau mondial. Ce sont d'abord les organisations continentales ou sous-continentales, Europe, Afrique, Amérique centrale et Caraïbes, Amérique du Sud, Asie du Sud, Asie du Sud-Est, Asie du Sud-Ouest, toutes les organisations issues de la société civile. Il y a aussi des membres associés dont certains sont des institutions étatiques. Un des objectifs est de représenter ces organisations dans les instances réunions et colloques internationaux, ce qui signifie que l'ITSGA a sa propre orientation concernant la transmission des jeux et sports traditionnels. Ainsi, l'idée n'est pas de copier l'Organisation mondiale du sport avec son orientation liée à la performance, mais mettre en œuvre des outils qui permettent la transmission des pratiques culturelles
des jeux et sports traditionnels à travers la philosophie contenue dans le concept du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Un deuxième objectif est de renforcer nos organisations subcontinentales et continentales afin qu'elles mettent en place des réseaux interrégionaux très actifs, reliant les communautés, les institutions et les parties intéressées. Ces organisations réseaux des réseaux ont pour première priorité d'aider à mettre en place une situation où les gestes traditionnels seront transmis par leur intégration dans les curriculums scolaires. Pour cela, il faut d'abord inventorier une des priorités retenues lors du ministère de Punta Bes. Une action importante a déjà été réalisée en 2005 et 2006 à travers un projet européen mené par l'Association européenne des gestes professionnels et qui a vu la réalisation d'inventaires généraux dans 11 régions européennes. Un travail est également en cours dans plusieurs pays africains. Réaliser un inventaire sans considérer que ce soit un but final est extrêmement important. Il doit être compris comme un outil qui donnera plus de visibilité et de pertinence à la problématique des jeux sportifs traditionnels afin de motiver des actions multiples par rapport à cet héritage culturel et matériel toujours existant. Cela deviendrait donc une base d'informations et de données où la comparaison et l'analyse de la situation du patrimoine culturel et matériel dans les pays concernés. Pour les applications économiques en rapport avec l'animation locale, le tourisme, l'artisanat, etc. Pour les applications liées à la recherche en lien avec l'éducation physique, les études scientifiques, la publication d'ouvrages ethnographiques et scientifiques. Un objectif fondamental sera l'intégration des gestes traditionnels dans les curriculums des pays qui se montreront intéressés. Cependant, le rôle de l'ISGA et de son réseau ne sera pas réalisé du travail, mais de réunir les conditions de l'employeur et d'accompagner les acteurs afin que les administrations de l'éducation nationale des pays concernés puissent mettre en place un outil efficient répondant aux objectifs du patrimoine culturel et matériel. C'était le sens de la déclaration manifeste de Véronne 2015. Ainsi, ce message est le message de M. Guy Jaouen, président de l'Association internationale des jeux sportifs traditionnels. Je vous remercie. Alors, avec l'autorisation de Madame Valentina, je vais essayer un peu d'esquisser en ce qui concerne notre nouvelle association africaine des jeux sportifs traditionnels. Cette organisation regorge une diversité remarquable en termes de jeux sportifs traditionnels. La variété ethnique et linguistique joue en faveur de cette mosaïque juridique. Nous avons comme rôle de représenter au niveau africain international le réseau des jeux et sports traditionnels africains pour faire du dialogue interculturel, santé sociale, une cohabitation de l'espèce humaine selon les traditions et différentes cultures. Et nous avons comme objectif de sauvegarder, étudier, échanger, partager et développer leurs pratiques pour une meilleure tradition et différentes cultures. Chers amis de Tokati, vous vous souviendrez qu'il y a quelques années, nous avons porté la voix de la République démocratique du Congo, qui est mon pays, à travers la lutte sans coup. Et nous avons eu l'honneur de participer activement à plusieurs manifestations de Tokati avec la lutte de Kabougou. Et cette lutte est plus proche de la lutte Estompa de la Sardaigne. Nous avons été aux côtés des gouvernements en Bretagne plusieurs années. Et à cela, j'en profite pour remercier
le président honoraire Jean Hubert qui avait mis tout en place avec Dijawen et autant d'autres amis pour inviter la RDC à participer aux différentes activités de Burel et de la culture bretonne. Et si nous avons créé cette association, c'est tout simplement pour représenter, mettre en avant toutes ces valeurs africaines qui sont multiples et diversifiées. Ainsi, nous souhaitons, par le soutien de la Déclaration de Vérone, participer aux activités des Tocatiques, mettre en place des mécanismes de collaboration scientifique, parce que nous avons un grand projet de l'inventaire désormais au niveau du continent africain. Et ce grand projet est soutenu par la tenue chaque année d'un forum africain des jeux sport traditionnels. La première édition aura lieu en 2021 et devait avoir lieu cette année. Malheureusement, avec la situation du Covid et toutes les difficultés qui sont en cours, nous avons souhaité reporter en 2021 parce que nous souhaitons que Tocatiques, l'Association européenne des jeux traditionnels, l'UBEL et aussi d'autres organisations européennes puissent venir participer au lancement de ce projet et à la tenue de ce premier forum africain. Les jeux sport traditionnels. Je ne pourrais pas prendre beaucoup de temps parce que. Merci, oui. Merci Joseph, on entend beaucoup d'écho. Merci infiniment d'être avec nous comme ça pour ce final. Comme je disais, cette matinée a été assez touchante. Hein, de terminer avec l'Afrique nous fait beaucoup de bien. Donc merci infiniment. Et alors, Pere La Vega, notre président de Dagest, nous propose une très belle idée d'essayer d'activer les caméras de 24 personnes qui sont connectées pour une photo de groupe aussi de notre place virtuelle. Il est un petit peu tard, alors je ne sais pas si mon message est entendu par tous les gens qui sont connectés. En tout cas, si vous arrivez à vous connecter, tout le monde, nous essayons de faire une capture d'écran et de garder le souvenir de cette Tocatie, un patrimoine partagé virtuel. Alors voilà, Francesca, si vous voulez bien voir si les caméras s'activent, on va pouvoir prendre la photo. Possiamo prendere la foto se tutte le... Se le persone arrivano a attivare la telecamera, è un po' tardi per, eh? C'è un po' il rischio che non ci sentano a quest'ora. Però proviamo. Allora, questo è un appello a tutti i presenti online ad attivare le loro telecamere per una foto. Però non mi sa che non ci... Non... Sì, qualcuno c'è, ecco... This is a message for everybody. Sorry, I am speaking only French and Italian. To activate the camera and to take a picture as a memory of this virtual Tocatie et Shared Heritage Edition 2020. Thank you to all of you. You are several people still with us, and it's very nice. In the room, we are also 10 or 15 now person, and we will also take a photo in presence. Thank you, and we will share all this photo in the next days. Then thank you everybody to be with us, and now have a good lunch. And in the afternoon, we'll discuss. Dans l'après-midi, nous allons continuer le débat avec les personnes qui sont présentes. Et nous vous remercions de toutes les contributions. Thank you so much for all your contributions. We will nourish our debate. Ay, hasta luego. Au revoir. See you soon. Virginia. Ciao. Ciao, Ruth. Grazie. Ciao, Peggy. Ciao, ciao.
Grazie. Ciao, ciao anche alle nostre comunità, vedo Franco. Ciao, 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 ciao Valentina, della Pantalera, ciao a tutti. Anche Moreno, le nostre comunità ciao, della rete italiana. Ciao. Che avete resistito con l'inglese, il francese tutte queste ore, grazie di essere con noi. Ci ha fatto una cultura. Bene, anche Vincenzo Capuano delle pattuglie di Pastellessa. Ciao Vincenzo. Ciao. Ciao. Ah, Isabelle. Bon appétit Isabelle, c'était très intéressant. Merci à tout le monde parce que je sais combien de travail ceci a demandé à tout le monde. Et vraiment merci cette année si particulière d'avoir résisté à nos côtés. Ciao a tutti. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie a tutti. Grazie. Buon lavoro. Ciao. Grazie a tutti. Ciao.